regardez. Oh, il est sur ma voiture, il est sur ma voiture. Comme ça, t'as des belles voitures, hein. Hein, t'as des belles voitures. T'as des belles voitures, tu vas me donner des voitures Spider-Man. Salut à tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, les gars. Et aujourd'hui, on va voler la voiture de Spider-Man qui est très gros. Il est vraiment gros, Spider-Man. Allez, tu restes à ta place maintenant. Maintenant, tu vas voir comment je vais voler ta voiture. Donc, les gars, du coup, aujourd'hui, on va voler le véhicule de Spider-Man. Là, vous avez été nombreux à me dire Spider-Man. Encore une fois, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel super-héros vous voulez voir dans le prochain épisode. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé Superman, qui m'ont demandé Black Panther, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel super-héros vous voulez. Et du coup, celui qui aura le plus de likes dans les commentaires, eh bien, sera choisi pour le prochain épisode. Et du coup, eh ben, j'ai envie de dire, c'est parti, on va voler la voiture. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche et let's go. Bon, du coup, les gars, on est parti pour voler la voiture de Spider-Man. Spider-Man, j'arrive, Spider-Man, j'arrive. Et du coup, j'ai ma petite tenue, comme vous pouvez le voir actuellement. Croyez-moi que Spider-Man, c'est quand même quelqu'un d'assez puissant. Bah, écoutez, on va y aller directement, on va prendre la petite moto. Alors, je sens que Spider-Man, il a acheté une maison, en fait, tout simplement, ici, près du lac. Donc, le lac où on fait les Où est Charlie. Donc, c'est cette petite maison, juste là, voilà, on va mettre le point. Après, bon, je sais que Spider-Man... il a quand même pas mal de pouvoir. On a vu dans le dernier Avengers que c'était quand même quelqu'un d'assez puissant, qui pouvait se transformer. Enfin, en gros, il peut nous cavaler, il peut monter des bâtiments. Donc, dans tous les cas, en fait, si Spider-Man nous cavale, c'est compliqué pour nous. Pourquoi? Parce qu'on pourra pas potentiellement fuir, ou du moins, ce serait compliqué de fuir. Parce qu'il peut, à tout moment, bam, il nous jette un Wrecking Marines, on meurt. Donc, à tout moment, on est vulnérable. Mais après, bon, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Après, faut voir. Mais je vous garantis rien. En tout cas, c'est parti. On va aller dans la maison. Let's go. Ok, les gars, on arrive juste à côté de la maison. Donc, regardez-moi cette villa qui est simplement implantée autour de maison. Alors, est-ce que Spider-Man est là? Est-ce que Spider-Man est là? Ok, pour l'instant, je vois plus. Il y a un truc là ou quoi? Je vois un truc là, les gars. Les gars, il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas, les gars. Il y a quelque chose là-bas. Je vais prendre mon snipe. Holy shit! Il y a Spider-Man! Spider-Man est là, gars. Spider-Man est là, ça craint. Je sais pas comment j'ai fait pour rentrer dans la maison, les gars. Spider-Man, il est là, il regarde la télé, je crois. Ok, tranquille, les gars. Tranquille. On va se poser juste à côté. On va regarder. On fait comme si de rien n'était, les gars. Ouais, il regarde la télé. Il regarde la télé, regardez, il est juste là au-dessus. Il est en train de regarder la télé, on va voir ses voitures, les gars, les voitures de Spider-Man. On va se garer, genre, on fait genre comme si on était, tu vois, un simple citoyen, tu vois. Oh my god, what is this shit? Regardez-moi ces voitures, les gars. Ok, je vais éviter de rentrer. Alors, il y a une Emirus. Oh my god, il y a une autre arche. Oh, c'est une Mambo là derrière, les gars. Ah ouais, en fait, Spider-Man, il est vraiment blindé. Bon, je vais rentrer, voir si... ça fait quelque chose ou pas. Alors ce véhicule, c'est un véhicule que je kiffe, c'est la NSA. Donc c'est bon, Spider-Man là. En fait c'est un peu stylé, mais je pense qu'il a cette voiture parce que ça fait un peu toile derrière. Vous voyez. En tout cas, Spider-Man c'est un peu bleu, blanc et rouge. Et là on voit que... ok, il est en train de regarder la télé toujours. Pff, les gars. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Est-ce que je le fais ou je le fais pas, les gars? Je le fais, les gars! Je le fais, les gars! Oui, je le fais! Je vais voler la voiture de Spider-Man! Vas-y, cavale-moi si t'as un homme, cavale-moi! Wouhou, les gars, on a volé la première voiture, elle est magnifique, les gars. Par contre, au niveau de la conduite, c'est vrai que c'est un véhicule qui a du mal à tourner. Yeah. Il a aussi du mal à freiner. Waouh. Ce véhicule, pour moi, les gars, ça reste un très très beau véhicule. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne connaissent pas forcément. Alors, peut-être qu'il y en a des connaisseurs. Hein. Mais c'est un peu style. Je trouve que les feux font un peu Ferrari. Je sais pas du tout vous, mais c'est chaud. C'est chaud déjà parce qu'on a volé la voiture de Spider-Man, mais attendez, quand je vais revenir voler la Lamborghini, les gars, parce que là on a volé celle-là, mais quand je vais revenir voler la Lambo, est-ce que vous pensez que Spider-Man va m'attendre ou pas? Parce qu'il va voir que j'ai volé une voiture, il va voir qu'il s'est fait voler la voiture avec la caméra et tout. Let's go, c'est parti. On est actuellement près de chez Franklin et on va livrer le premier véhicule de Spider-Man. Dites-moi encore une fois dans les commentaires quel prochain héros vous voulez voir. Et quel prochain super-héros vous voulez voir dans la prochaine vidéo. Je vais la mettre comme ça, je pense qu'on est pas mal comme ça, ouais. Là, elle est bien. Alors, je vais vous montrer quand même l'intérieur de la voiture, parce que je sais que vous allez voir. Alors, c'est un peu toile d'araignée, vous voyez, derrière. Voilà. Donc, c'est celle-ci, NSA Venom GT. Elle est
Magnifique. Elle est toute petite, hein. C'est un petit véhicule, c'est un peu mode Rocket Volchic et tout. En tout cas, j'aime bien. Regardez, quand j'appuie sur le frein, il y a le truc du frein qui s'active et tout. Vous avez vu dans le tableau de bord. Voilà, après en termes de bruit, c'est pas ouf non plus. Mais ça va, j'aime bien. Eh bien, écoutez les gars, est-ce que vous êtes chaud dans les commentaires? On va aller voler la Lamborghini de Spider-Man. Let's go, Spider-Man, j'arrive. Bon les gars, doucement. Là, à mon avis, là, le quartier, il est très surveillé. Hein. J'ai volé un véhicule et surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est est-ce que Spider-Man est encore là ou pas? Est-ce qu'il a vu que j'ai volé sa voiture? Alors, attendez. Non, il est plus là. Spider-Man n'est plus là, les gars. Non, Spider-Man n'est plus là. Spider-Man n'est plus là. Non, mais comment je vais faire Spider-Man? Spider-Man. Oula. C'est moi, il y a quelqu'un qui vient de fuir, là. Il y a des gens qui sont en train de fuir. J'ai peur. Ok. Les gens sont en train de fuir, les gars. Pourquoi pas? Alors, par contre, on est devant la maison. Et Spider-Man n'est plus là. Il ne regarde plus la télé. Les gars. Les gars. Les gars, ok, je vais passer par derrière. Je vais passer par derrière. Tout doucement. Mode furtif, les gars. Mode furtif, les gars. Tout doucement. Pas qu'on se fasse cramer. On va passer par derrière. Voler la voiture de Spider-Man. La deuxième. La Lamborghini. Allez, c'est parti. Il est pas en bas. Vite. Mais monte. Mais non. Allez, monte. Ok, c'est bon. Vite. Allez les gars, la Lamborghini, c'est parti, let's go, pouhou. Par contre, il y a tout le monde qui fuit là, j'ai peur. Il y a un point qui vient d'apparaître sur la map, c'est pour ça que tout le monde est en train de fuir en fait. Il y a un point qui vient d'apparaître, c'est quoi qui s'approche? Non, c'est l'étoile de Spider-Man. Spider-Man est là les gars, non. Il est là, Spider-Man est là, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille, je te jure, je voulais pas voler ta voiture, Spider-Man, je te jure, c'est pas moi qui voulais la voler. De bas, c'était juste, voilà, je suis là, je suis dans le quartier, j'ai vu ta voiture, j'ai vu... Ok les gars, c'est bon, on va essayer de fuir. Mais il est juste là, il cavale trop vite, c'est pas Spider-Man en fait, c'est Flash le machin. Allez, s'il te plaît, ok. Il cavale trop vite, c'est Flash les gars, je vous jure que c'est Flash. Il s'est mélangé avec Flash, ils ont fait une fusion. Ok, c'est bon, on va essayer de s'en sortir. Tranquillement, faut pas que je fasse d'accident. Ok, il me suit toujours. La problème c'est, est-ce que je rentre chez Franklin ou pas? Est-ce que je rentre chez Franklin? Il me cavale toujours les gars, il me cavale toujours. Ok, doucement. Non, s'il te plaît. Fonce, j'ai une Lamborghini. Il cavale trop vite, non mais c'est pas possible. Comment il peut dépasser une Lamborghini? Oui, c'est bon, je crois que je suis en train de le perdre. Non, faut pas que je fasse d'accident. Non. Regardez, oh, il est sur ma voiture, Spider-Man est sur ma voiture, les gars, s'il vous plaît, part de ma voiture. Je sais pas quoi faire. Oh là là, il est en train de m'attaquer, il veut m'attaquer, je sais pas quoi faire, Spider-Man, s'il te plaît, je voulais rien faire. Oh my god. Bonjour, ouais, il est gentil là, non? Attends, il s'est transformé en mode gentil, je crois, les gars. Vous pensez qu'il veut juste faire ami-ami avec moi ou pas? Spider-Man, tu veux faire ami? Spider-Man? Il est derrière aussi, hein. Il est partout en fait. Non, il attaque les gars, il est en train d'attaquer. Il m'attaque les gars. Qu'est-ce qu'il fait? What the fuck, les attaques les gars, en fait, il est en train de faire des tourbillons. Ok, c'est bon. Moi, ce qui est bien, c'est qu'il est plus sur ma voiture. Je peux pas tourner, j'ai pas pu tourner chez Franklin. Non. Il veut avoir ma peau les gars, il veut ma peau. Non, proche, rentre ici. Attends. Non, il attaque les gars, il attaque hein. Avec ses toiles les gars, il est en train de m'attaquer avec ses toiles hein. Non, les gars, je suis sorti de ma voiture. Vite, remonte sur ma voiture. Non, remonte sur la voiture. Non, je suis tombé de la voiture les gars. Aïe. Oh les gars, je me suis réveillé à l'hôpital. What the fuck? C'est quoi ça? Je me suis fait attaquer par Spider-Man. Les gars? Non? C'est quoi ça? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis en rouge? Les gars? Attends. Oh! Les gars, je suis Spider-Man! Wouhou!
She's Spider-Man! Wouhou! Il m'a piqué, les gars! Je me suis fait piquer par Spider-Man, du coup, je suis lui! Holy shit! C'est quoi ça? Ah ouais! Les gars, je suis Spider-Man! Pouhou! Est-ce qu'on peut monter? Ouais, je peux monter et tout! Les gars, je peux monter? Je peux monter? Pouh! Wow, ok, il y a des ennemis! Il y a des ennemis à 300 mètres, les gars! Il y a des ennemis à 300 mètres, je suis Spider-Man! Ah ouais, c'est magnifique. En fait. Je vais, je vous jure que je vais. Attends, attends. Voilà, faut que je comprenne un peu le truc. Oh shit, c'est stylé ça. Pouhou! Oh my god! Spider-Man! Pouhou! Oh là 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 là, j'ai volé sa voiture et je me suis transformé en Spider-Man. On va monter la maison avec les gars. Oh là 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 là, c'est magnifique. Bon, et eh ben écoutez les gars, sur ce magnifique saut. Oh là là, on a monté la maze banque. Ok, je suis sur la maze banque actuellement les gars. Et eh bien écoutez, c'était Unune pour vous servir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce pas déjà fait, à activer la cloche et à mettre dans les commentaires quelle prochaine super héros vous voulez voir dans la prochaine vidéo. À qui on vole la voiture les gars? À qui? Clairement à qui? Voilà, dites-moi dans les commentaires, c'est à vous de choisir. Sur ce, on sait ça tue. Ciao.